Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu Betoch Elkeinu, on a le scoop de continuer nos vitamines de Emouna. Surtout dans la période d'aujourd'hui, on a tous besoin de se renforcer énormément en Emouna. Et on va voir que, vu qu'on a acquis, jusqu'à aujourd'hui, que la Emouna, la véritable Emouna, bien évidemment, c'est dans Akadosh Baruch Hu, dans le Créateur. Alors c'est impossible de se dire, écoutez bien cette notion-là, on ne peut pas se dire, c'est pas possible de dire je suis croyant, je crois en Dieu, mais c'est moi qui vais définir c'est quoi le but de ma vie. C'est moi qui vais choisir qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. C'est quoi la vérité dans ma vie. Parce que c'est impossible, et c'est logique, qu'il y ait un créateur. Que ce créateur-là, il va maintenant créer un monde, créer un homme, et ne pas lui dire c'est quoi le but. Ne pas dire c'est quoi le but de ce monde-là. Il ne va pas te dire c'est quoi ton but. Pourquoi il t'a créé. Pourquoi il t'a mis dans ce monde-là, etc. Est-ce que c'est possible maintenant que le créateur du monde, il va te donner une récompense, une punition, sans te dire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit? C'est possible d'imaginer une chose pareille, que le créateur, béni soit-il, il va te dire, non, c'est toi, c'est quoi mon fils, débrouille-toi. Débrouille-toi. Tout seul, tu choisis, trouve la vérité, trouve le but pour être créé, sans rien te donner, sans te donner aucune base. Bien évidemment que c'est sûr que le créateur, il a été obligé de donner, et qu'il a donné, des indications, des enseignements clairs par rapport au but pour lequel il t'a créé et il a créé ce monde-là. Il nous a donné la Torah. Torah, ça vient du mot hora'a, ça vient du mot enseignement, un moré, une mora, un enseignant. Il nous a donné un enseignement qui est l'enseignement du Créateur, le programme du Créateur et les mitzvot, ses commandements, les directions qu'il veut que l'on prenne pour se brancher avec lui. Il nous a donné les tzadikim, les justes authentiques, dans chaque génération, qui nous enseigne comment comprendre le message divin dans la Torah, qui nous enseigne quel est le but, et qui vont te faire pénétrer en toi la vérité, la véritable vérité, la vérité authentique, que c'est que par cette vérité authentique qu'on va pouvoir arriver à croire à la véritable Emouna, celle qui amène la joie, celle qui amène la guérison, celle qui amène la sérénité, celle qui amène la réussite dans tous les domaines. Et sache que c'est seulement et uniquement avec la Torah que le Créateur il a donnée, que c'est ça la vérité. La vérité, c'est la Torah. Torat Emet. La Torah, c'est le symbole de la vérité. C'est que par la Torah de vérité que tu pourras arriver à une véritable Emouna, une véritable foi, qui, elle, est la source du paradis sur terre, qui est la source de pouvoir être constamment en permanence dans la joie, dans le bonheur et de voir des réussites. Car sans la Torah, alors chacun, s'il n'a pas donné de Torah, il n'a pas donné d'enseignement, pas d'indication, pas de programme. Alors chacun peut choisir selon les désirs de son cœur. Moi je pense que c'est ça la vérité. Moi je pense que... Etc. Et on va arriver comme on voit aujourd'hui des guerres de religion. Où chacun au nom de la religion, et des fois c'est même pas au nom de la religion, c'est au nom de sa croyance, au nom de l'argent, du pouvoir, de ses plaisirs, va arriver à des vérités qui sont des erreurs énormes, dangereuses pour lui et pour le monde. Comme on voit ce qu'on vit aujourd'hui, qu'au nom de la religion, on peut faire des choses aussi atroces. Et bien sûr, on connaît derrière tous les systèmes d'intérêt, d'argent et de mauvais désirs qui animent tous les dirigeants des nations, qui font les choix qu'ils font et qui mènent le monde là où ils mènent. Tout ça parce qu'on ne veut pas accepter qu'il y a une vérité qui a été mise sur terre, qui est la Torah d'Hachem. Que c'est que grâce à elle qu'on va pouvoir vivre dans l'harmonie, dans la paix, dans le bonheur. Celui qui va, Chas v'Shalom, contre la Torah. Alors, c'est sûr qu'il vit avec des grandes erreurs et avec des grands embrouillements dans sa tête. On n'est pas, Chas v'Shalom, en train d'accuser qui que ce soit. On est en train de poser des définitions, poser des bases. Et personne n'a à se culpabiliser de là où il a été, puisque Hachem l'a envoyé, l'a fait naître, dans les conditions où il l'a fait naître, et l'a guidé jusqu'à là où il en est aujourd'hui. Mais de comprendre que d'aller contre la Torah, Chas v'Shalom, de ne pas vouloir aller avec la paix de la Torah, faire la paix avec la Torah et avec Kadosh Baruch Hu. Alors un homme, il est en train maintenant de se faire une vie difficile. Parce que qu'est-ce qu'il va choisir? Que le but de la vie, c'est quoi? Courir après l'argent? Courir après les femmes? Courir après les honneurs? Après le pouvoir? Après la nourriture? Chacun en fonction de son imaginaire et des passions qu'il y a dans son cœur. Alors il va choisir c'est quoi la vérité. Et Kamouvan, que c'est comme ça qu'on arrive à des grandes erreurs. Et qu'il y a autant de vérités qu'il y a d'hommes quasiment. Parce que chacun, il a sa vérité. Chacun, il s'est défini en fonction de son mauvais penchant et de ses désirs de son cœur, sa vérité. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un monde, dans une génération,
Ou mamash, c'est pas agréable de vivre. S'il n'y a pas la Emouna, Kimat, c'est un endroit presque insupportable de vivre, rempli de haine, de jalousie, de concurrence, de médisance. Les gens, ils se volent les uns les autres, ils se vengent, ils sont cruels, ils se font des sales coups, des meurtres, des massacres, des tromperies. Mais qui tourne toutes les saletés possibles et imaginables sont le fruit de cette non-recherche de la vérité auprès d'Hachem, auprès de sa Torah, et de vouloir vivre sans la Torah et avec ma vérité à moi. Mais lorsque, maintenant on décide, ce que chacun est en train de faire en écoutant ces cours-là, de vouloir avancer. Quand tu décides maintenant toi que tu veux avancer dans la vie d'après le chemin de la Torah, à ton niveau à toi, à ta vitesse à toi, mais t'avances dans le chemin de la Torah, alors tu vas à chaque fois recevoir des vitamines de Emouna véritable, de la Emouna authentique, qui fait que ton monde à toi et le monde qui dépend de toi va devenir un monde merveilleux. Chacun qui va s'efforcer de se comporter d'après la Torah, alors tu vas te sentir heureux de ta part. Et donc tu ne vas pas regarder la femme de ton prochain, tu ne vas pas envier la maison de ton prochain, à plus forte raison que tu ne vas pas toucher ce qui appartient à ton prochain. Tu vas honorer tout le monde. Un homme qui est dans cette Torah et cette Emouna de vérité, parce que la vérité c'est la Torah, c'est Hachem, alors il honore tout le monde, il veut la réussite de tout le monde. Il fait du chesed, de la bonté, de la tzedaka autour de lui avec tout le monde. Il veut faire du bien à tout le monde. Il fait son commerce avec honnêteté, sans ruser, sans mentir, sans faire des sales coups, etc. Tout ça, il le fait d'après la Torah, qui est éclairée de la véritable Emouna, de la véritable croyance sainte du Ham Israël. Le principe que tu dois retenir et qu'on doit tous retenir, les amis. Si on s'efforce d'aller avec la Emouna authentique, alors le monde il va être doux, il va être agréable, il va être un endroit merveilleux, ça va être un paradis sur terre, à commencer par ta maison et ta vie à toi. Parce que c'est seulement celui qui vit dans le chemin de la Torah qui est en train de se préparer, qu'Hachem lui a préparé déjà, une vie extrêmement douce et agréable si on est connecté à la Emouna authentique comme on va le voir ensemble. Mais maintenant, c'est pas suffisant d'être dans la Torah. Chacun d'entre nous, on peut être dans la Torah. Moi, le premier, pendant longtemps, quand j'ai fait le Shuvah, tu peux être dans la Torah. Et la Torah ne te suffit pas encore pour pouvoir vivre dans la Emouna authentique. Parce que si un homme ne cherche pas, grâce à la Torah, à renforcer sa Emouna, alors lui aussi, il peut rater la cible. Lui aussi, il peut passer à côté et faire des grandes erreurs. Même s'il étudie la Torah et qu'il vit une vie de Torah. Et quelque part, sur certains points de vue, c'est même pire que celui qui n'étudie pas la Torah. Parce que toi, t'es dans la Torah, t'es dans le chemin d'Hachem, tu devrais, au contraire, arriver au but plus facilement que l'autre. T'as déjà été gratifié d'être dans le chemin de la Torah. Et pourquoi on peut être dans la Torah et ne pas arriver à la véritable Emouna, les amis? Ça, il faut bien le comprendre, c'est extrêmement important. C'est le point crucial de ce qu'on voit, du shiur d'aujourd'hui, du cours d'aujourd'hui. Retenez bien ce qu'on va dire ici. Parce que l'essentiel de la vérité, où tu vas trouver la vérité, qui est la véritable Emouna, la véritable croyance, on ne la reçoit que et uniquement par le rapprochement et la recherche des tzadikim, des justes authentiques qui sont uniques dans chaque génération. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Celui qui ne se rapproche pas de cette tzadikim-là, alors, comme on va le voir, il ne peut pas trouver la véritable Emouna. Il peut étudier la Torah, il peut faire les mitzvot, il est dans la Emouna, il est dans la croyance, bien évidemment, il fait la Torah et les mitzvot, mais la véritable Emouna, amitit, droite, de la Kdusha, qui amène à la connexion de Kadosh Baruch Hu, qui guérit tous les problèmes, ça, sans les tzadikim, tu ne peux pas y avoir, tu ne peux pas y arriver. La preuve, c'est qu'il y a énormément de gens qui se comportent dans Torah et Mitzvot, ils vivent leur vie avec la Torah et les Mitzvot. Ils sont religieux, même orthodoxes. Et ils n'ont quimat aucun lien avec la Emouna, la véritable Emouna. Pourquoi? Ils ne parlent pas avec Hachem de leurs problèmes. Dès qu'il leur arrive une difficulté, dès qu'il leur arrive une épreuve, ils font exactement ce qu'un homme qui manque d'Emouna, et bien on va faire. Ils vont se mettre en colère, pas être d'accord, être stressés, de courir chez le docteur dès qu'il y a un problème, de courir chez un conseiller, un tel, etc. Avoir le souci de la parnassa et le stress de la parnassa et l'angoisse de la parnassa, etc. Ils se vengent, ils disent de la jeûne
Et ils se disputent pour des héritages. Mais Kitsour, c'est des choses qu'on voit tous les jours en réalité. Alors que normalement, quelqu'un qui est dans une émouna véritable, grâce à la Torah, ne devrait pas vivre les choses de cette manière-là. C'est pourquoi, dans chaque génération, Hachem, il a donné la solution. Il a donné la clé, la clé pour déverrouiller le code secret de la Torah, afin que la Torah t'amène à la véritable lumière qu'elle contient en elle, à la véritable émouna. Dans chaque génération, il y a un chout, une chaîne qui relie chaque génération jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui ne s'interrompt jamais. Les malheurs de cette chaîne ne sont jamais interrompus. Il y a toujours des tzadikim dans chaque génération qui ont reçu, et même dans notre génération à nous, qui ont reçu le chemin de la Torah véritable de leur maître. Jusqu'à Moshe Rabbeinu lui-même. Comme c'est marqué dans Pirkei Avot, première Mishnah de Pirkei Avot, Ken, c'est marqué Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe, il a reçu la Torah depuis le mont Sinaï. Et il l'a transmise à Yehoshua. Et Yehoshua, il l'a transmise aux anciens. Et eux, ils l'ont transmise, etc., etc. Et cette transmission s'est passée de maître en élève pour chaque élève qui s'est soumis à son maître et qui a transmis derrière lui le flambeau. Et ce sont eux qui sont les véritables bergers, les véritables guides, qui nous permettent de construire la compréhension véritable de la Torah et des mitzvot. Et le but pour lequel on a reçu la Torah et les mitzvot, ils le construisent en nous, ils font pénétrer en nous la vérité, la vérité à l'émouna. C'est pourquoi, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Eh bien, tu dois te mettre à rechercher énormément un véritable dirigeant, le véritable dirigeant de la génération, qui a une dimension en lui de Ruach HaKodesh, de souffle divin, qui peut te montrer à toi le chemin pour arriver, non pas simplement à étudier la Torah, mais à accomplir tout ce qui est marqué dans la Torah, parce que c'est ça la véritable difficulté. C'est de réussir à accomplir ce qu'Hachem lui demande quand tu l'as étudié. Et ça ne suffit pas. Tu lui dis, oui, moi, justement, j'ai un rave dans ma communauté, Baruch HaShem. Voilà, il est très bien, et sur Internet, voilà, je me connecte avec Ilan Cheshporti, j'ai tout, c'est très bien. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, les amis, d'être connecté à un rave. Il faut, en réalité, chercher le plus grand des tzadikim, un rave qui a reçu lui-même une transmission de ses maîtres, ou au moins un élève qui est connecté à ce rave-là qui, dans cette génération, a reçu une transmission authentique. Comment amener l'homme à son but? Comment ramener l'homme à accomplir la Torah et les mitzvot et changer cette trait de caractère? Mais qui tout à faire ce qu'Hachem nous demande? Parce qu'il y a énormément de décisions, de lois juives qui ont été tranchées, des psaques à la fin, des mitzvot que tout le monde connaît, etc., qui sont connues, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Mais la plupart d'entre nous, on est encore confrontés à des difficultés pour accomplir ce qu'on a étudié ou ce qu'on a entendu. Et ça, il faut un guide. Il faut un guide spirituel qui est nécessaire, que Hachem a mis, que dans chaque génération, il a besoin d'être là, et on a besoin de le trouver pour arriver à parfaire notre étude de la Torah, notre pratique des mitzvot par son intermédiaire, qui sait aller et s'adapter à l'esprit de chacun, à l'âme de chacun, à la spécificité de chacun, comprendre chaque individu et pouvoir le guider dans sa spécificité à lui, dans la tienne, ta spécificité à toi. Comme ils disent, Chachamim, hein, dans la Torah de Shah, dans le Sefer Bamidbar, Ish Asher Ruarbo, un homme qui a le souffle divin en lui. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire en réalité, cet homme qui a le souffle divin? Il peut aller et comprendre et guider et descendre au niveau de chacun pour le guider. C'est-à-dire qu'il a un souffle divin, Ruach HaKodesh, qui lui permet de déceler des choses qui ne sont cachées, des choses qui sont, comme dit le Kli Yakar, des choses qui sont que nous, en tant qu'être humain normal, on n'arrive pas à percevoir chez l'autre. Et lui, il sait comment réveiller, comment te réveiller positivement, comment te renforcer positivement, comment maintenant t'amener au niveau aussi bas que tu peux penser être à accomplir la Torah, ou bien au niveau le plus haut qu'une personne peut penser être, qu'elle doit encore évoluer pour accomplir la Torah. Et ce dirigeant-là, il doit être extrêmement sain, extrêmement détaché de tout ce qui est les mauvaises mœurs, etc. Et même dans ce qui est permis, d'être très 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 sain. Au summum de la Kedusha, quelqu'un d'un niveau extrêmement élevé qui a reçu une transmission extrêmement claire jusqu'à Moshe Rabbeinu. Comment réparer les âmes de celui, de tous ceux qui vont se rapprocher de lui? Celui, les amis, si tu l'as dit, ouais, c'est bon, j'ai pas besoin, moi, pourquoi je vais chercher maintenant un tel dirigeant? Alors tu peux étudier la Torah toute ta vie, toute la Torah,
et pas forcément arriver au but véritable et vivre dans une erreur. Sur ça, c'est marqué dans le Mishlei, Shlomo HaMelech, le plus sage de tous les hommes, nous dit « Yesh derer yeshara, derer yeshar nifnei ish » Il y a un chemin droit devant l'homme. « Ve'atharita d'achre mavet » Et pourtant, la fin de ce chemin qui te paraît droit, eh ben, aboutit à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux croire que c'est le bon chemin, c'est bon, je suis bien, je suis dans le but. Et pourtant, tu es en train de t'arriver dans une erreur. Combien d'exemples dans la Torah comme ça de grands personnages qui étaient dans la Torah et qui se sont trompés, que ce soit Korah, que ce soit Achitophel, que ce soit énormément de grands érudits en Torah. On y est allé le matin, justement, tous les jours, tu y es allé le matin dans la prière, dans la Kedusha des Sidra, après la Mida, après Ashrei, on fait Uva Netzion, et là-bas on dit Baruch Hu Eloheinu Shebra'anu Lirvodo, Veivdilanu Min HaTohim, béni soit-il, oui, notre Dieu, qui nous a créés pour sa gloire, et qui nous a séparés de tous ceux qui sont dans l'erreur. Minatorim, de ceux au pluriel qui se trompent. Pourquoi c'est au pluriel? Parce que le chidouche, il est comme ça. Il y a deux sortes d'erreurs qu'on peut faire. Il y a ceux qui sont complètement dehors du chemin de la Torah. Tu vois, ils se sont trompés pour l'instant. Ils n'ont pas montré encore dans la vérité. Ça, c'est une première sorte d'erreur. Mais maintenant, il y a ceux qui se trouvent a priori déjà dans le monde de la Torah. Et eux aussi, ils se trompent dans leur chemin, dans la Torah, parce qu'ils ne recherchent pas celui, ils n'ont pas encore acquis l'humilité qu'ils ont besoin d'un berger, qu'Hachem a déjà mis sur terre, pour les amener comment accomplir la Torah, et pouvoir faire ce qu'ils ont à faire sur terre. Et ça, c'est marqué de manière explicite dans l'écouté Moharan, dans l'enseignement numéro 123, le dit Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu HaKadosh. L'essentiel est la base de quoi tout dépend. Il dit Rabbi Nachman, de ça, c'est la base et l'essentiel de quoi tout dépend. De s'attacher au tzaddik de la génération et de recevoir ses paroles telles qu'il nous les dit. Que ce soit des petites paroles, des grandes paroles, des petits enseignements, des grands enseignements et ne pas aller ni à droite, ni à gauche, ne pas s'écarter de ses paroles, frère de Shalom. Comme vous ont dit Rahamim dans le Sifri, dans Parashat Shoftim, même s'il te dit maintenant ce tzaddik que ta droite c'est ta gauche, ta gauche c'est ta droite, tu jettes ta tête. Toi tu es un petit mouton devant un berger, le petit mouton n'est pas là pour réfléchir s'il doit aller à droite ou à gauche, il fait confiance au berger. Et il va là où le berger lui dit. De là, fin de citation de l'écouté moral, on apprend ici que la chose essentielle, il a dit Rabbeinu HaKadosh, la chose essentielle qui peut amener un homme à la vérité de la Torah, c'est de rechercher un véritable dirigeant qui, lui, a déjà mérité d'atteindre la véritable lumière de la Torah et donc qui peut guider chacun d'entre nous. Et dans le dernier enseignement de Rabbi Nachman, l'enseignement qu'on appelle le testament de Rabbi Nachman avant, quelques heures avant qu'il meure, Torah 8, j'ai écouté Moharan, deuxième partie, j'ai écouté Moharan. Nous dit Rabbi Nachman, Bémet, en vérité, il faut chercher et demander énormément après un véritable dirigeant comme celui-là. Et il faut demander et chercher où il dit Rabbi Nachman, écoutez bien ce qu'il dit, pas sur Google, pas chez les copains autour de moi, etc. C'est vrai que les vakesh me'od na'ashem idbarar, dans la prière auprès d'Hachem idbarar, de t'aider d'avoir le mérite de te rapprocher d'un véritable dirigeant, afin d'arriver à la véritable Emouna parfaitement. Car tout celui qui se rapproche, que Dieu nous en présente, d'un mauvais dirigeant, d'un dirigeant de mensonge, à cause de ça, il arrive à des fausses croyances. C'est pourquoi chacun doit chercher énormément, il répète Rabbi Nachman, après un dirigeant véritable, pour se rapprocher de lui. Mes amis, on finit avec cette mise en garde extrêmement importante par rapport à ce qu'on vient de voir. Ce point est fondamental. Il paraît peut-être abstrait, mais il va falloir demander à Hachem ce dirigeant véritable. Mais de bien comprendre que cette recherche ne passe uniquement par la prière. Dans tes paroles, à toi, entre toi et à Kadosh Baruch Hu, tu parles en ta langue à Kadosh Baruch Hu, tu dis Hachem, rapproche-moi de ce dirigeant véritable de la génération qui peut m'aider à me réparer et avoir une véritable émouna. Parce que de savoir qui est le véritable dirigeant et qui est un dirigeant de mensonge, un manik de Sheker, ça, il n'y a aucun d'entre nous qui peut y arriver avec sa tête, avec sa compréhension. Et si tu veux essayer de trouver et définir par ta propre intelligence, celui-là c'est un vrai rabbin, celui-là c'est un faux rabbin, celui-là c'est un grand tzaddik, celui-là c'est un petit tzaddik, celui-là c'est un faux tzaddik, Chas v'Shalom, etc. Alors c'est quasiment sûr que tu vas arriver à des controverses, à de la marloquette, à du lashon hara, de la médisance, et tu vas faire des grandes erreurs, Chas v'Shalom. C'est seulement celui qui est très très fort dans la qualité du shalom, de la paix, et qui va s'éloigner à l'extrême opposé de toute ombre de marloquette, de discorde, et qui va faire extrêmement attention de ne mépriser aucun juif. À plus forte raison de ne mépriser aucun dirigeant d'aucun groupe du peuple d'Israël.
seulement cet homme-là, donc toi ou cette femme-là, toi, si tu as fait ce travail-là, à ce moment-là, tu es en train de pouvoir trouver le véritable dirigeant par la prière. Et si tu ne fais pas par la prière, tu commences à chercher sur Google, commences à parler avec les copains et les copines, etc., savoir c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge, etc., que ça, tu risques d'arriver à une grande erreur. C'est pourquoi il n'y a pas d'autre conseil. Il n'y a pas d'autre moyen, si ce n'est de multiplier les prières, les supplications, les choses qu'on mérite du ciel, de nous rapprocher d'un tzaddik authentique. D'un tzaddik, on sent que quand on étudie sa Torah, quand on étudie ses enseignements, quand on accomplit ses conseils, alors on sent que la émouna elle rentre en nous, on sent qu'on commence à changer, on sent que la vie elle commence à devenir un match avec du sens, et un sens qui est bon et qui est positif. Et ça, il faut demander énormément encore une fois auprès d'Hachem, qui te rapproche de ce dirigeant-là authentique, afin d'avoir une émouna authentique. Ashreno, Mato Frelkeno, Manaim Goraleno, que chacun fasse cette prière-là et sache qu'Hachem l'écoute et n'attend que cette prière-là pour t'amener à ce dirigeant. Chazak, Benetrazek.